Je me vois plus comme un rôle de conseil et un rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice au sein de mes magasins. Je suis comme un outil à disposition du franchisé et de l'évolution de sa rentabilité. Donc on essaie vraiment d'avoir des relations très, très fortes et continues, ou par mail ou par téléphone. Mon rôle en tant que représentant du franchiseur est évidemment de faire respecter le concept aux franchisés. Mais avant tout, et notre intérêt commun, c'est le développement du chiffre d'affaires et forcément de la rentabilité et de la profitabilité de chaque point de vente. Donc l'idée, c'est d'une part d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires, de la marge, mais également d'autres items commerciaux. Donc j'ai un double rôle, un rôle d'analyse en amont que je prépare quand je prépare ma fiche de visite, et après un rôle de contrôle, mais aussi de conseil quand je suis en magasin, en visitant chaque sous-rayon et en voyant avec mon franchisé dans quel sous-rayon, s'il est en difficulté, on peut s'améliorer. Pour ça, je m'aide d'une trame de visite qui est commune à chacun des animateurs chez Bureau Vallée, ce qui nous permet d'avoir un outil commun et cohérent pour l'ensemble du réseau. Nous avons chez Bureau Vallée des rendez-vous réseau qui sont de l'ordre de 6 dans l'année. La particularité de mon métier, c'est que je travaille avec 30 chefs d'entreprise différents. Le fait de les regrouper, de les faire participer à des réunions dans lesquelles les échanges sont favorisés, leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents les uns des autres. En tout cas, ils ont des problématiques communes. Ils constatent d'ailleurs que ça crée une espèce de petite cohésion région, une entraide beaucoup plus naturelle aujourd'hui grâce aux liens que moi je peux donner de l'un à l'autre. Nous travaillons en parallèle et en binôme avec le service achat et avec le chef de produit sur l'évolution des gammes, le choix des produits à mettre en catalogue, l'évolution des prix de vente, etc. Vous voyez qu'on a un rôle extrêmement large. Pourquoi ? Puisqu'on est finalement l'interface entre les magasins et la centrale. Et la volonté de Bureau Vallée est vraiment de resserrer ces liens et de casser l'image classique de la tour d'argent d'un côté et du terrain de l'autre.